Salut, du coup aujourd'hui on se rejoint pour un. On se rejoint pour un nouveau vlog, le vlog numéro 20. Et aujourd'hui c'est l'ouverture à Croisade Route Setting à Chambéry. Du coup avec Esteban qui est assis là et qui me lance des claquettes. Salut. Et puis Kylian qui est derrière la caméra. Du coup c'est un vlog où il y aura deux parties. Première, ouais, deux parties, deux vidéos différentes quand même. Première vidéo du coup c'est une corde au bras, une balançoire, double balançoire. Allez, il vous montre un peu, il vous spoil un peu. Si elle a marché, de toute façon vous verrez ça dans la vidéo. Et du coup c'était un truc assez cool, il y a Léo Favot, Antoine Girard et Arthur Lebric qui sont venus essayer ça. Et du coup c'est un peu comprendre comment ouvrir un bloc pour des mecs qui sont en équipe de France. Voilà, c'est parti. Ici? Ouais. Hey, tu vas où frérot? Tu vas dans le mur là? Non, la grosse balançoire et on arrive par là-bas là. Mais là, mon pauvre, tes pieds ils tapent là-dedans. Hein. Non, je pense vas-y, pas. Ok, vas-y, ça va chauffer. Tu vois, ça allait trop vite là. En fait, je me suis dit c'est de la et d'un coup j'ai eu une vision. J'ai fait ouais, c'est super, ça va être dément. Ça a tellement pas marché. Ouais, mais on est là pour ça, les idées de. Là, c'est bien. Ouais, allez. Arrête de chipoter un peu. Oh là là, c'est beau! Il y a quand même un truc, c'est que là, on est à 1m50 du top. Hein. Oui, mais on va en horizontal. Ouais, je te le dis, c'est tout. On peut faire un départ ici, 4 appuis. Ouais, on vise dans le mur, non? Eh, ça marche 100%, hein? Hop, on arrive là, et on repart là. Si ça marche. Mec, on met un skyball là, t'en prends une là et tu ressautes. Tu penses qu'il ressort assez le skyball? Je suis pas sûr qu'il ressort. Mec, c'est super le départ ici, j'adore ça. Je suis pas sûr qu'il ressorte assez le skyball. En fait, tu peux là. Tu peux mettre un peu un swing. Ouais. C'est un peu bizarre. Bah, on est en train encore de réfléchir, mais un petit truc avec une balançoire au début. Puis après, on aimerait bien avoir une petite corde en plus au milieu qui change un peu. Faut qu'on arrive à trouver une petite idée qui va bien. Histoire de les perturber un peu. Que ce serait pas le moment de la double balançoire, Banou. Là? Double balançoire. Ah oui! On peut tenter. Ouais, d'accord. Ça me va. Ah là! Ça, voilà. C'est quelque chose qui peut me plaire. Voilà. On met quoi, un skyball ou un volume? Bah, je me dis. C'est balançoire, balançoire. Petit moment qu'on veut poser ça et ça. Ça veut c'est pas. C'est pas facile à caler, quoi. En fait, quand tu fais une balançoire, le truc, le principe de la balançoire, c'est que t'envoies ton corps vers là-bas. Mais du coup, pour refaire une balançoire, t'as besoin d'avoir le corps derrière et de le renvoyer, tu vois. Et quand tu fais ça, t'arrives avec le corps tout devant. En fait, juste tu tires dans les bras. Du coup, ça marche pas trop. Mais là, ça va marcher, c'est sûr, hein. J'ai aucun doute. J'ai aucun doute, moi non plus. Comme là, ça te va? Ouais. L'incline peut-être pas trop non plus, ouais. Pas trop mauvais, quoi. Ouais. Et pas trop non plus, je pense, en vrai. Parce que. Ouais, c'est bien comme ça, je pense. Tiens. Ouais, elle va être là, la prise, elle va pas être très haute, hein. Ouais. Mais là, peut-être un petit chouï meilleur quand même, là. On va arriver vite dessus, quand même. Allez, j'y vais. Ouah, c'est à chaque les bains. Non, ça a l'air dur. Hein. Moi, tu l'avais. Hein. On est quand même pas trop réveillés là pour l'instant. Non, non. Ouais, c'est sûr, tu peux. Question, c'est est-ce que tu peux. En vrai, en venant de là-bas, je pense pas. Mais... En venant de là-bas, je suis pas sûr non plus, mais. Vraiment chelou à prendre. Ah, mais c'est bien ça, valait. Pas une balançoire. Ouais, oh, tu vas t'es dessus quand même. Ouais, il y avait un truc. Prise d'élan. Chaussure de sécu. Ça a l'air hyper étrange. C'est la prise d'élan, mec, c'est chelou, mais waouh. Ouais, si tu peux quand même, mais faut arriver hyper bien. Le problème, c'est qu'avec le ballon de départ, je pense. Ouais, la prise d'élan a l'air. Ah, c'est trop bizarre, j'arrive pas à mettre ma deuxième main. Hyper. Je suis fatigué. Putain, mais en même temps, on fait ça à froid là. Niveau explosivité, je sens que mes fibres elles sont quand même pas. Très très matinal là. C'est vrai. Ouh. En vrai, c'était. Ouais.
qu'on n'essaierait pas de rapprocher un peu cette jaune là? Le volume? Ouais, pour essayer dans un premier temps et... Ouais. Là. La vérité, tu veux la vérité? Je m'arrête sur la jaune, même en venant de là-bas. Ouais, bah, on teste comme ça et on cale après. Allez. La voix de la sagesse a parlé. Là, je le fais. Ah, il y avait un truc là. Est-ce qu'on baisserait pas un peu ça? Tu vois, on vient le foutre un peu plus bas. Comme ça, on arrive un peu plus haut sur la jaune. Plutôt que remonter ça, parce qu'au bout d'un moment, on va, enfin, le bloc, il va faire un move, quoi. Ouais, après, là, il y a la bonne hauteur, non, quand même. Moi, je le baisserais là. Mais juste, tu vois, en fait, j'arrive, je me sens tout regroupé. Genre, j'aurais envie d'arriver un peu les bras tendus pour justement renclencher. Décale-le à gauche. Ok. Je commence à capter là. Je pense qu'on se tripote. On va poser la fin du bloc et après on essaye. C'est parallèle ou pas? Genre, non. Toujours pas. Ah, t'es pas mal, je dirais. Qu'est-ce qu'on se met à l'arrivée là? Une petite jaune encore? Une petite bleue? La ronde là, non? Attends, y'a quoi qui ressemble à ça? Ouais, celle-là elle est bien. On est joueur ou on n'est pas joueur? Tac, tac. Hop, pop, pop, pop. On tient un bras comme ça là? Bon, voilà, tu la tiens un bras. Hein. Moi, je suis chaud de ça. Ouais, je suis chaud aussi, le épaule-épaule, il est moins classe. Là, ça, c'est pas très dur comme ça. Tu vois, ça va. Ouais, ça va, mais en fait, si t'arrives jamais à arriver assez bien. Je suis chaud que tu m'enlèves quand même tes bagueries de ma prise d'élan. Oh là là. Alors, t'as l'impression que t'es aussi proche que ça du mur? J'ai l'impression que j'ai pas tant de marche pour avoir un baguerie dans mon champ de vision, quoi. Petit skyball en haut, là. Au milieu, là. Ouais. Une petite jaune en haut à gauche. On peut se mettre une petite presse de skyball, genre jaune. Ouais, tu prends le skyball là, tu le massacres et tu ressautes derrière. Ouais, pas trop derrière. Ouais. Tu me prends, c'est compris. Allez, fort. Bon. Allez, feu. En vrai, c'est juste une fiotte en ça. Hein. Je suis sûr nul pour rebondir. Ouais, moi je suis sûr que ça marche. Et le problème c'est que moi pour rebondir ça va. Le problème c'est que j'arrive pas à faire la balançoire. Ouais, mais moi j'y arrive, tu vois. Moi je sais que dès que j'ai une prise, j'arrive pas à enclencher, tu vois. Genre, ouais. Moi je pense que si j'arrive demain sur la prise, je pourrais enclencher. Les moves là où genre j'ai le deux mains sur la prise, typiquement, mais je dis il peut rebondir trois fois plus fort. Enfin, il peut faire trois moves derrière quoi. Dès que je touche la prise, je sais que mes dix, je fais trois moves. J'arrive vraiment pas à sentir ce ballon là. Là c'est sûr que les gars ils la tiennent. Hein. Oui, bon, je m'inquiète pas, mais. Vous faites la fin? Ouais, il en a marre, Camille là. Ouais, moi aussi. C'est sûr, ça marche avec juste. Oui. Allez, on fait une petite mission skyball. Et viens, on fait un truc. C'est ce que j'ai appris dans ma formation d'ouverture. De mettre des bacs sur les. Pour porter les prises. Quand t'es pas assez fort. C'est bien un bagneau. C'est. Comment ça s'appelle Interville. On monte là-bas. Là, inverse. Inverse par là, une inverse bleue là. Ouais, la petite là, pas bonne. Tu claques là. En vrai, on presse, ça va. Et là, t'as redonné une là. Faut pas que ça ramène trop en inverse, faut qu'ils soient un peu vertiques. Ouais. Attends, j'essaye un truc. Tu m'enlèves l'échelle? T'as mis des vis là? Non, je touche pas la bleue. Que ça autant, avec une petite pastille, ça marche pas? Faut rapprocher un peu le volume jaune. En vrai, ça marche comme ça, non? Ah, c'est stylé, ouais. J'ai l'impression que ça marche comme ça. Ouais. Pas besoin de rapprocher. Non. T'inquiète, pas besoin de rapprocher, ouais. Allez, mon gars. Allez, mon gars, allez. Ah, c'est nickel, le genou qui se coince. Ouais, c'était super, moi aussi, je t'ai pris direct, là. Ah, c'est dur, mais... C'est voilà, pour le coup, ça, en vrai, je pense que ça marche, hein, mais... Ouais, moi, j'aime bien. Canon skyball, là. Et on met une bleue à gauche, et voilà. Fin du bloc, 4 prises. Le mec, il s'arrête jamais. Ouais, y'a moyen. Voilà, tu jettes pas. Hein. Ah, c'est suicide là. Ça serait marrant, Favo, je le vois bien essayer, tu vois. De faire quoi? Te lever sur le départ et jeter dans l'angle. Ça, c'est une belle.
une bête ça. Non, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu faire une double balançoire. Bon, mais on a pas réussi. Le concept, il est un peu compliqué à poser. Parce que le problème, c'est que quand t'arrives pour le deuxième étage de la balançoire, t'as le corps qui est trop vers l'avant. Du coup, pour se reprendre le swing, c'est un peu compliqué. Donc, on a quand même bien galéré. T'as dit d'expliquer le bloc, pas faire une analyse biomécanique. Pas une analyse biomécanique. Du coup, on a un peu galéré sur le premier étage. Du coup, on a quand même réussi à poser une petite balançoire qui est un peu particulière parce que le swing, il est un peu compliqué à prendre. Du coup, ça va être intéressant de voir comment ils s'en sortent. Après, il y a une petite arrivée donc, du coup, dans la deuxième un peu rapide. Et la fin du bloc qui change complètement de style où du coup, là, c'est beaucoup plus un peu de sensation et beaucoup de physique sur cette presse noire là. Et mine de rien, il faut quand même un peu sentir ce qui se passe. Donc, on va un peu voir ce qui va se passer. Premier run de Léo. Et là, oh, il est toujours là le téléphone, c'est assez incroyable. Eh ben. Bah. Oui, c'était pas dur. Ah les gars. Allez, je tourne tout. Wow. Un ressenti l'eau sur ce flash avec trois chiens dans le bloc. Eh ben, en vrai c'était cool, mais la fin faut quand même bien muler. Hein. Ah, la fin ça a l'air bien dur quand même. Ouais. Bah là j'ai perdu toute ma peau. J'ai plus que de run je pense. Les baffes en haut là. T'es là et tu sens ta peau qui fait au revoir peau, au revoir peau. Mais le ballon est bizarre. Hein. Bah ils ont vraiment passé une heure et demie à essayer de comprendre le ballon. Bon vu que Léo a chanté, ST modifie le bloc. Allez bah après la fin j'ai pas chanté, c'était comme ça. Non, on la met la barre plus loin bah. Ah ça va être tellement dur. Bon bah les gars vous aurez pas eu l'occasion d'essayer une version qui marche du bloc, dommage pour vous. Fallait être plus rapide. Et c'est numéro 2. On pourra en faire un replay la vidéo, il dit pas mal. Ouais bah on l'a tous dit hein, à part Kylian. Quel Eh ben Kylian il est pas là mais gros chais. Ah les gars. Allez mon gars. Wow. Ça y est, il se passe quelque chose là. Là tu t'arrêtes pas là. Ça c'était mes runs de ce matin. J'étais là mais c'est bon, ils vont enclencher. Putain là tu t'arrêtes pas. Bon du coup je vais quand même essayer. Vas-y. Si je, vais toucher la crise mais ça a l'air drôle. Ouais. Et tu l'as éloigné un peu quoi. Je l'ai touché. Je peux arrêter la séance. Ah mais du coup la balançoire j'avais pensé plus bizarre que ça. Après faut juste trouver le bon angle pour bien arriver dessus et réussir à ramener. Ouais je pense que c'est une histoire de ballon. Et c'est le numéro 3 de Léo. Ah les gars. Ouais là c'est pas dur, bien, c'est... Pas bien avec les mains, en fait c'est dur de remettre de la vitesse vers le haut pour retracter en fait. La vitesse elle t'amène full vers le bas mais je pense que ça marche. Eh. Je vais remettre une barre de Stéphane qui dit ça. Faut réussir à... Non mais je pense que ça doit marcher, j'ai mis que deux runs, attends. En fait faut retirer dans les bras et faut pas céder du ballon quoi. Ouais. Mais juste tu vois en fait j'arrive, je me sens tout regroupé, genre j'aurais envie d'arriver un peu les bras tendus pour justement renclencher. Il a... Allez, allez, Léo, allez, allez. Wow. Par contre, je pourrais... Par contre, ça veut dire que t'arrives avec une vitesse dans... Non, parce que tes jambes, du coup, elles sont devant. Tes jambes, elles sont devant, elles sont pas derrière. Yalla. Oh. Ouais, il faut que t'arrives avec les jambes devant. Là, actuellement, je sais pas comment j'arrive, mais je pense dans la sensation, c'est... J'arrive comme ça. Bah non, en fait, t'arrives comme ça, t'arrives les jambes groupées, c'est que dans les bras qu'il faut repartir. Ça marche pas là de faire la chante qu'ils ont fait à la Coupe d'Europe là. Ah, avec le talon. Merci Léo, je suis arrivé, j'ai fait mais la chante de Léo là, de entendre la Coupe d'Europe, ça marche pas ça. Ah, moi j'ai pas fait, moi j'étais pas en finale. Moi. En fait t'es derrière le mur, t'as pas envie hein. Bon. Vas-y, ouais. Essaye Léo. Mec, tu fais ça, tu tiens la bleue. Je suis une p... Je te le dis. Je paye tout ce que tu veux. Touché. Petite impasse. Déjà, mec, je me suis surtendu juste pour regarder la prise comme ça. J'étais là-haut.
Ouais, il a le bon ballon. Changement, c'est trop dur. Le bloc est trop dur, les grimpeurs sont trop faibles. Ouais, c'est trop dur. Hein? Je pense que c'est ça. Ouais. Mais là, c'est sûr que c'est trop facile maintenant. Je vais percer là. T'étais pas si loin. Hein. Arrête, je sais pas tu fais quoi, mais. Bah après, t'es. Ouais, t'es niqué, non? Ouais, t'es comme ça. Bah, super. Sauf si t'as la longe de d'amener la main à la spade, quoi. Ouais, moi aussi, en fait, je ramène sur ma main. Ouais, t'arrives et pas après, à... du coup, j'arrive pas à ramener. C'est quoi les prochaines compétences, là ? Oh ! Il peut s'arrêter avant ! Il peut s'arrêter ouais, fort ! Je vais m'arrêter, en vrai. Oh, oui, c'est plus... Tu l'avais dit, je l'avais dit. Ça marchait d'être. Ouais, c'est sûr, je m'arrêtais là. Déjà ? Ouais, ouais, vas-y. Ouais, non, non, je pense. Ouh là là. Il va passer derrière le mur. Oh. Tu paries sur qui là, Kylian en premier ? Oh, Léo, quand même. Léo ? Moi aussi, je parie ma pièce sur Léo. Ouais, je parie sur Léo, moi. Moi, je parie soit sur Léo, soit sur moi, mais pas sur les autres. Moi, je parie sur... Ouais, bah, tombe pas. Ah, t'es mieux, là. C'est quoi, tu fais le tour en courant? C'est quoi cette sorcellerie? Apparemment, une strat secrète, si tu fais le tour en courant... Arrête, je fais le bloc, ça marche. Je te suis, hein. Ah, je te suis. Ne pas courir sur les tapis. Oh, si proche. Ah, il m'a réveillé, mon asthme pour rien. Oh, ça marche. Ah, j'aurais dû continuer à faire. Bon, Léo, tu flashes ou pas? Tu flashes ou pas? Là, mais là, c'est au montage, premier essai de la séance. Oh. T'as déjà filmé Valentine ou pas? Je te jure t'es viré si t'es loupé. Je crois qu'elle est virée. Oh! Ouais, ta. Bien ouais. Comment ça s'est passé? Eh ben écoute, ça s'est bien passé au final, petit moment où on a un peu douté et on a dû faire un petit changement, mais au final, écoute, le bloc il fonctionne, ils se sont bien amusés, ils ont forcé, ça leur a fait apprendre un petit truc nouveau sur le ballon de départ là, donc c'est un peu ce qu'on voulait, donc écoute, mission réussie. Et du coup vous avez changé quoi? On a changé juste la première jaune là, au début, parce que Léo il arrive à s'arrêter dessus, donc voilà on a changé, une petite modification qui change pas énormément au bloc quoi. La fin, c'était qu'elle est direct. La fin, ça marchait pile poil. Écoute, pas extrême, mais bon, après, on a quand même deux clients bien forts en presse entre Léo et Gigi, donc pas étonnant non plus. Donc voilà, parfait. Come on. Ça, c'est mon bloc, il était vraiment pas mal. Alors, comme il a dit Léo, c'était une petite balançoire, tu vois, tu partais ici sur la prise bleue qui ponçait un petit peu. Enfin, je peux faire un petit témoignage visuel. Petit témoignage. Tu te balançais. Les pieds en direction de Nailé, tac tac, tu te balançais, tu chopais ça, tu rebondissais.
basique. Petit câlin sur la prise noire là-haut et puis tu finissais quoi, tu montais, clac clac. C'était cool, hein. J'étais un peu sceptique au début parce que j'étais un peu fatigué, tu vois. T'étais pas sceptique, après, tu voulais juste pas le faire. Ouais, mais je me suis laissé embarquer, c'était un peu un traquenard, mais j'aurais peut-être pas dû, tu vois, quand je vois l'état de la peau après tout ça. On va pas trop assumer la fin de la semaine, mais ça va être cool, ça va être cool. Voilà, je sais pas si tu veux que je rajoute quelque chose. Non, c'était bien. La vie c'est cool et I love Block Corp. Ah putain, c'est beau.